C'est Dean Burbigo, l'entourage Maison Grand Cru. Retrouve-moi sur Da Vibe, le magazine. C'est pas la vie qu'on veut, les débuts de mois à découvert. C'est pas la vie qu'on veut, tuer le temps et reste sans but. C'est pas la vie qu'on veut, tourner un rond dans la zone. C'est pas la vie qu'on veut. Ouais, bah écoute, c'est le côté banlieusard un petit peu. Enfin, banlieusard, je suis fatigué moi. Débrouillard, pardon. Le côté débrouillard, avant de monter à Paris, moi je viens du sud à la base. Je suis né à Marseille, j'ai grandi une grosse partie de ma jeunesse à Toulon. Et là-bas, j'ai enchaîné. En gros, j'ai dû enchaîner, sans mentir, j'ai dû faire une quinzaine de petits boulots, peut-être même plus, je sais plus. J'ai été vendeur de vélo à Decathlon, plongeur dans un restaurant, commis en cuisine dans un restaurant de poissons, bagagiste et aide aux handicapés à la gare de Toulon. Bref, j'en ai enchaîné, donc c'est de ça que parle cette phrase. Mes années de fac, elles m'ont servi à m'ouvrir l'esprit. En gros, j'ai fait une licence d'histoire qui m'a pas servi à grand chose pour faire du rap, hein. Mais par contre, elle m'a servi. C'est plus pour tout ce que ça m'a. C'est plus les bancs de la fac qui m'ont appris que les amphithéâtres en eux-mêmes. C'est-à-dire que j'y ai rencontré plein de gens avec qui, de base, j'aurais pas forcément eu l'occasion de parler, des gens de classe sociale, de milieu, d'univers, de pays même différents pour certains. Et ça m'a permis de m'ouvrir à plein de choses et de m'enrichir un petit peu. J'aime bien l'effet caméléon, pouvoir un peu se mélanger dans plein de milieux. Et la fac, ça m'a appris ça, clairement. Ben voilà, on rejoint cette idée-là. C'est-à-dire que je ne me gêne pas. Ben, tout à l'heure, j'avais un lapsus avec banlieusard. J'aime pas me cantonner à rester dans un délire, un autre, un type de personne ou une autre. Je pense que je suis quelqu'un d'assez ouvert, cosmopolite et voilà. Non. Ouais, bah c'est un clin d'œil à... je crois que c'était Booba qui faisait une rime où il parlait justement de ça. C'est ça, c'est le... Quand on fait nos morceaux, etc., on y met nos expressions, on y raconte nos histoires, on y raconte... Il y a souvent des délires qui sont même propres des fois à des potes et que les gens ne connaissent pas forcément. Et donc du coup, ouais, j'aime bien l'idée de me dire que la musique qu'on fait, c'est la bande-son de ce grand film qu'est la vie. Ouais, je crois que c'est une de mes plus grandes passions avant même la musique, la nourriture. Et donc du coup, bah, voilà, ça s'est traduit dans cette phrase-là. Où je parle de ma jeunesse là, c'était un morceau avec SPM, c'était Supremacy, et je raconte mes jeunes années, mes années de lycée, voilà. D'accord. Mm-hmm. Dédicace à Universal et à tous les rappeurs du game. Je pense que ça c'est une phrase, comment dire, ceux qui doivent la comprendre se sentiront piqués. Oui, j'ai monté mon label qui est un label indépendant, mais on est en licence quand même avec Barclay, qui nous aide pas mal à faire de la promo, etc. Mais disons que quand je suis au studio, je suis tout seul et que je démarche mes contrats avec un disque qui est fini. C'est assez différent de quelqu'un qui aurait toute une équipe derrière lui pendant le studio, etc. D'accord. On rejoint un petit peu la même idée. C'est-à-dire que je pense que j'ai fait mes preuves pour les gens du milieu qui avaient à, comment dire, qui pouvaient comprendre un petit peu, qui avaient les outils pour comprendre... qu'est-ce qui fait qu'un rappeur est plus chaud qu'un autre. Maintenant, fort de ça, maintenant on va essayer de faire en sorte que même ceux qui captent pas forcément puissent se dire « Tiens, j'aime bien écouter ça, parce que ça glisse bien à l'oreille, tu vois. » Le but, c'est d'arriver à allier les deux. Voilà. Oui, c'est une référence à Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Après, en vrai de vrai, c'est plus pour le côté... pareil, c'est un morceau que j'écris dans une période où je suis un petit peu plus attiré que... qu'aujourd'hui vers les fleurs du mal, mais on a tous ce truc-là. Même quand tu essaies d'être droit dans ta vie, tu es toujours un petit peu, tu vois. Mais c'était pas une vraie... C'est une fausse référence littéraire, parce que j'ai lu le livre, mais il y a très très longtemps, et je n'aurais pas la prétention de savoir le synthétiser en quelques lyrics. Ouais, celui-là, il y a des endroits où j'ai eu du mal à le jouer un petit peu. On a joué des fois, ça m'est arrivé. Ça m'est déjà arrivé de jouer dans des festivals de quartier, etc., où le... T'as pas trop envie de le dire, le mot beurette. Bon, c'est dans le morceau Suis-je, ça. C'était dans mon EP Fin d'après-minuit. Je trouvais que c'était une manière poétique
Je trouve qu'on le salit, ce mot, au final. Je le trouve amusant plus qu'autre chose. Et là, en l'occurrence, il est plus... je le prononce de manière attendrie plus que de manière vulgaire. Ouais, c'est trois des figures du patrimoine français qui me parlent le plus, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Balavoine pour le côté humaniste et insurgé. Desproges pour le côté misanthrope, le côté qui n'aime rien ni personne et qui est un petit peu cynique. J'aimais beaucoup ce personnage. Ça fait partie des personnes, tu vois, j'aurais bien aimé le rencontrer pour pouvoir discuter avec. Et Coluche, pareil, j'aime bien le côté un peu pied de nez, un petit peu à l'establishment et à la, tu vois, à la culture dominante. J'aime bien. Ouais, je trouve que cette phrase, elle résume assez bien le... On aime bien mettre l'accent sur les trucs qui divisent les gens. Je trouve que c'est plus intéressant et plus sain de mettre l'accent sur ce qui les rapproche, les rassemble. Et concrètement, plutôt que de faire, par exemple, là aujourd'hui, on fait beaucoup de débats autour de les musulmans, les juifs, les ci, les là. Au final, tout ça, c'est que même si ce n'est pas les mêmes traditions, les mêmes histoires, les mêmes... Le but, au final, c'est de se faire du bien, d'être en paix et de faire du bien autour de soi. Je trouve que c'est le truc commun à tous les gens bien et à tous les religieux. Et donc, du coup, en gros, c'est ma manière à moi d'aborder la spiritualité, voilà, si je peux dire. Comme je te disais tout à l'heure, je suis donc né à Marseille, j'ai grandi à Toulon. Et maintenant, aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années que je suis dans le 93 à Aubervilliers. Et de temps en temps, quand ça fait un petit moment là, que tu vois ta peau qui devient grisâtre, là, que tu regardes le ciel qui pleut ou qui grêle même parfois, là, le bruit des mouettes, tu vois, qui me rappelle que de temps en temps, j'irai bien voir ma maman au soleil. Mon album s'appelle Grand Cru, il a eu le temps de maturer. Maintenant, l'heure est à la dégustation. Et j'espère que personne ne sera déçu. En tout cas, moi, je suis très content de la bouteille que je leur propose.